cittadine, cittadine forestiere. Villanelle, villanelle, quanto siete? On attendrait une fin spectaculaire pour une œuvre qui est finalement spectaculaire. Ce grand final, on le trouve à la fin du premier acte. C'est une fin de premier acte qui va durer 25 minutes. Et qu'alors là, il va partir dans tous les sens. Il va utiliser tous les moyens qu'il a pu avoir en main. I think rather than give my own direct opinion about Lord Non Compre More, the best thing I can do is to explain what was written about it in Milan in 1808 when it was given its first Italian production. It was originally performed in Lisbon in 1804. And very unusually, the review of the opera, instead of being two or three sentences, or at most a paragraph, is an entire page. Après deux saisons avec l'Orchestre Simón Bolívar du Venezuela, où j'ai pu approfondir et enregistrer un disque dédié au ballet et aux ouvertures d'opéra drameau, j'ai cette invitation de venir justement diriger l'Orchestre Symphonique du Brésil, que je connais d'ailleurs depuis mon enfance. Enfin, je viens de Rio, j'ai toujours écouté cet orchestre, donc pour moi c'est un vrai honneur et plaisir de la retrouver presque 30 ans après. A Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira ela existe há 72 anos. É uma das orquestras mais tradicionais do nosso país. E a Fundação agora, no ano de 2012, estreou uma nova orquestra, que é uma orquestra dedicada à ópera. À ópera e música de câmara. Essa ópera chama-se OSB, Ópera e Repertório, e a gente está fazendo uma série de títulos de ópera aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é o espaço onde a gente tem o maior número de frequências de concertos. Ano que vem terá uma programação com 7 títulos de ópera, vamos ter também alguns concertos de gala. Je pense que là, en l'occurrence, c'est un travail beaucoup plus facile pour moi, car la musique de Marcos Portugal est déjà, en quelque sorte, un patrimoine commun pour ce genre d'orchestre. Donc le bel canto, Rossini, Piccini, tout ce répertoire-là est déjà connu de l'orchestre. Mozart, par ailleurs. Donc du coup, travailler le détail, l'articulation, pour eux, c'est quelque chose de beaucoup plus évident que ça a été le travail en profondeur pour la musique française de Rameau. «
it's an entire page, not only because the writer analyzed in some detail various of the arias and ensembles, but because he wanted to explain exactly why he thought it was such a good opera. And it was not because it was a specially original opera. La 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 la. Not because there was anything particularly striking about it, but simply because it was such a very, very good example of how to produce a good comic opera. Cet opéra, il est formé avec trois rôles principaux. Lisetta, le rôle féminin. Alberto, le baron de Mosca Bianca, le méchant, le vieux qui veut séduire la jeune paysanne. Et Giorgio, le beau du village, qui évidemment souhaite marier la petite. Villanelle, villanelle, quanto siete. Mais évidemment, le baron, il ne voit pas les choses comme ça. Et donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on va voir, une Lisetta typique des rôles de, on va dire, de Rossini, avec une tessiture extrêmement large. Une colorature brillante. Et on va voir Giorgio en passant par tous les états possibles, de la colère à l'amour. Donc on voit des airs d'amour fabuleux et des actes de bravoure incroyables. Et on voit en opposition à tout cela un méchant toujours perché dans l'aigu, tout le temps en antagonisme avec le reste de l'opéra. Donc on voit ces trois protagonistes dialoguer dans une musique extrêmement vivante. Marcos Portugal était le plus important compositeur que nous avons dans les périodes impériales du Brésil. Et cette année, ce sont les 250 ans de célébration de l'anniversaire. Et ça, c'est une occasion vraiment spéciale pour nous, parce qu'il n'est pas connu au Brésil comme de vrai. Le succès de L'Oro non compra amore est dû à la diversité de cette œuvre et en beaucoup l'idée nouvelle qu'il apporte à cet opéra. On est en 1804, le style européen, on va dire, est tournant. On est déjà aux portes du style qu'on appelle aujourd'hui le bel canto. Bruno, il apprend un style d'interprétation différent. Marcos Portugal, il a un style qui est avant Rossini, par exemple. Il va introduire justement cette verve, cette énergie et l'orchestration qu'on va retrouver dans Rossini peut-être 15-20 ans après. Donc là, on voit un génie de mettre en œuvre cette nouvelle voix qui va être le bel canto, tout de même avant ses contemporains.
Enfim, a gente está muito feliz de poder ter realizado essa produção de Marcos Portugal, de poder ser responsável pelo resgate de uma obra tão importante e de um compositor que, apesar de português, é também um compositor carioca, é também um compositor de todos nós e que faz parte da nossa história. N'est pas seulement les notes, parce que c'est important la valorisation que Bruno a fait de l'intervalle de les notes, hein, de l'âme qu'il y a dans la musique.